Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire organisé par le Centre de formation en bourse et trading qui est Waltrade Institute et bien sûr donc, présenté par Waldata. Je suis Stevens. Le thème de ce soir sera le Market Phase Indicator, donc vraiment une méthode prête à l'emploi permettant de suivre la tendance de vos valeurs préférées. Son petit nom, c'est le MPI et donc ce sera dans votre logiciel Wallmaster XE. Donc avant de commencer la formation, je souhaiterais savoir si tout le monde m'entend correctement. Donc me mettre un oui ou un ok dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite, s'il vous plaît. Donc je vois ok, oui, ok, très bien. Donc j'imagine que vous m'entendez bien. Si jamais vous voyez donc un décalage de son ou le son qui hachure dans ces cas-là, n'hésitez pas à fermer tout logiciel utilisant donc votre bande passante, en utilisant Internet en fait. Hein. Par exemple, logiciel de streaming vidéo, logiciel de téléchargement ou même le logiciel Wallmaster XE qui serait en train de se connecter donc pour récupérer les flux. Comme ça libérerait vraiment la bande passante de votre Internet. Donc alors, par souci donc d'animer ce webinaire, en fait, eh bien, je vais tenter, en tout cas tout au long de ce webinaire, de vous faire participer. Donc, comment vous allez participer? Bien sûr, vous pouvez poser vos questions dans le dialogue à droite, mais aussi vous pouvez donc cliquer directement sur le webinaire en fait. Par exemple, on va faire un premier test. Vous devez voir la petite dame qui est au téléphone à côté de contact. Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, impeccable. Donc à chaque fois, donc il y a une flèche associée donc à votre pseudonyme ou votre prénom ou votre nom. D'accord? Donc alors le webinaire, comment on va le décomposer, on va le décortiquer ce soir? En fait, eh bien, je vous propose une chose, c'est que nous allons voir donc la méthode bien sûr du Market Phase Indicator. Ça va nous prendre à peu près 30 minutes à 35 voire 40 minutes. Et ensuite, donc comme il y a eu des évolutions majeures dans le logiciel, eh bien il me faudra 15 minutes à 20 minutes pour vous présenter les nouveautés du logiciel. Et surtout donc à la fin, eh bien vous proposer quelque chose d'exceptionnel. Donc alors on va pouvoir commencer à travailler. Alors je vais simplement réduire Internet Explorer, voilà, pour faire apparaître le logiciel. Donc alors, juste pour voir si vous voyez bien le logiciel, je vous invite à tout sur l'écran graphique, s'il vous plaît. Impeccable, je vous en remercie. Très très bien. Donc alors, le Market Phase Indicator. Donc c'est une méthode vraiment prête à l'emploi, c'est-à-dire que vous l'installez, après il y a juste à suivre la méthode, et ce qui vous permet en fait de suivre vraiment les grands mouvements de vos valeurs. C'est ce qu'on appelle une méthode de suivi de tendance. Donc alors, déjà, une fois que vous l'avez donc acheté, où est-ce que vous le retrouvez? Eh bien très simplement dans l'onglet Démarrer tout en haut à gauche de votre logiciel. Ensuite dans la partie AT Expert, sous le logo Waldata Method. Et là, donc, vous aurez Market Phase Indicator, tout simplement. D'accord? Le Market Phase Indicator, comment est-ce que se compose? Donc, vous avez un Market Analyzer à gauche et un écran graphique à droite. Sur, je ne vous le cache pas, le cœur de cet espace de travail est votre Market Analyzer qui se trouve à gauche. D'ailleurs, donc, petit clic de souris, s'il vous plaît, sur la valeur Carrefour. Voilà, impeccable, je vous en remercie. Donc après, tout au long du webinaire, hein, vous allez peut-être dire, ah là, mais qu'est-ce qu'il nous pose comme question? Mais ça me permet de voir simplement si vous voyez la même chose que moi et si vous suivez aussi la formation de ce soir. Okay? Donc alors, avant de commencer l'explication vraiment de la méthode, eh bien, je vais vous proposer déjà de comprendre l'indicateur qui est le Market Phase Indicator, puisqu'il faut savoir que c'est vraiment un indicateur exclusif Waldata que vous ne retrouverez vraiment que dans votre logiciel Wallmaster XE. Donc alors, le Market Phase Indicator, c'est vraiment le cœur de votre AT Expert. Ce nouvel indicateur technique, spécialement développé par Waldata, utilise une analyse vraiment synthétique des moyennes mobiles pour détecter en fait la tendance à long terme de la valeur. Vous avez les phases d'avancée et les phases de consolidation. Tout ça, vous inquiétez pas, on va venir en détail avec vraiment des cas pratiques et des cas d'école dans le logiciel. Donc, vous avez phases d'avancée et consolidation, comme je disais, au sein de la tendance à long terme, qui sont détectées grâce à l'analyse de la variation des cours entre deux périodes. Donc, le Market Phase Indicator, c'est vraiment un indicateur composé de deux éléments. Alors, volontairement
je vais agrandir la zone graphique où se trouve l'indicateur. Vous le voyez? Donc, alors, juste pour voir si vous voyez la même chose que moi, si vous pouvez cliquer, s'il vous plaît, dans la partie rouge de l'indicateur. Impeccable, et maintenant dans la partie verte, s'il vous plaît. Bon, impeccable, c'est bien, vous voyez la même chose que moi. Superbe. Donc, alors, vous avez tout d'abord, en fait, la ligne centrale, qui est en fait la tendance de fond des valeurs. Donc la ligne centrale, c'est la ligne horizontale rouge et verte. Si vous pouvez cliquer sur cette ligne, s'il vous plaît, comme ça je vois que vous voyez la même chose que moi. Très bien, merci, c'est impeccable. Donc alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une analyse multidimensionnelle de plusieurs moyennes mobiles de périodes, bien sûr, différentes, qui permet en fait, eh bien, d'établir la tendance de fond suivie par les valeurs. Celle-ci donc est représentée par cette ligne centrale de l'indicateur. Vous avez d'abord les pointillés verts qui représentent en fait la tendance haussière et les pointillés rouges qui représentent la tendance baissière, tout simplement. Alors, petite nota bene, hein, les moyennes mobiles utilisées par l'indicateur sont automatiquement déterminées à partir de la période de calcul du market phase indicator. D'accord? Plus la période de calcul de l'indicateur est importante, et donc plus la tendance analysée est de long terme. Donc, au niveau de la période de calcul, eh bien, par exemple, ici, dans notre exemple pour ce soir, on travaillera plutôt sur du moyen terme. C'est-à-dire que c'est une personne qui va travailler ses valeurs, par exemple, qui va prendre une valeur aujourd'hui, qui va la revendre dans 3 à 4 mois. C'est-à-dire qu'on utilise une période en jours sur 2 ans. Si, par exemple, vous êtes plutôt investisseur long terme, ou autrement, si vous êtes gestionnaire ou choses comme ça, eh bien, vous allez préférer prendre des unités de temps plutôt majeures, un petit peu plus longues. Ça serait de la semaine sur 5 ans. Et donc, dans ces cas-là, la tendance de fond qui sera calculée, donc, sera vraiment sur du long terme. Tout simplement. Donc, ça, c'était la première partie. Donc, cette ligne horizontale. Ensuite, vous avez l'indicateur de phase qui détecte les phases d'avancée et surtout de consolidation. Alors, l'analyse de la tendance globale, à l'analyse de la tendance globale s'ajoute une analyse des phases du marché. Une telle analyse est réalisée en fait, eh bien, par l'oscillateur du market phase indicateur en tenant compte du positionnement de l'oscillateur, donc par rapport à deux choses, par rapport à sa ligne centrale et par rapport à son évolution depuis la période précédente. L'oscillateur des phases est positif lorsqu'en fait on est dans une tendance haussière, d'accord? Il est négatif lorsqu'on est dans une tendance baissière, tout simplement. Chaque fois que les cours progressent à la hausse, eh bien l'indicateur de phase augmente. Dès que le marché rentre dans une phase de consolidation, l'indicateur baisse. Alors, petite question, vous allez me répondre par un O dans le dialogue en direct pour oui et un N pour non. Savez-vous ce qu'est une phase de consolidation, s'il vous plaît? Donc un O pour oui, un N pour non. Bon, j'espère quand même qu'il y aura des noms, ça me permettrait d'avancer là-dessus, ça serait sympa. Alors n'hésitez pas à mettre non hein, si vous ne savez pas ce que c'est. Hein. Voilà, très bien. Alors en fait, une phase de consolidation, tout simplement, c'est une phase de range. C'est une phase où on ne sait pas où va aller la valeur. Vraiment une phase toute plate, où on ne sait pas si ça va exploser à la hausse ou à la baisse. D'accord? C'est vraiment c'est une phase d'indécision. C'est très difficile en fait de détecter ces zones-là et surtout c'est très difficile de savoir comment donc réagir dans ces phases-là, d'accord? Donc là en fait on vous les détecte. Alors comment est-ce qu'on vous les détecte ici dans l'indicateur? Très simplement, donc, comme je vous ai dit, quand on est en phase haussière, eh bien l'indicateur devient vert, comme ici par exemple. Enfin, attendez, je vais utiliser mon tableau blanc pour pouvoir dessiner sur l'écran. Voilà, je vais prendre mon stabilo. Donc ici, par exemple, on est donc en phase haussière. Là, on est plutôt en phase baissière. Donc lorsqu'on est en phase de consolidation, par exemple, eh bien c'est lorsque vous voyez tout ce que je suis en train de colorier. Est-ce que vous voyez donc, est-ce que vous pouvez cliquer, s'il vous plaît, sur une des phases de consolidation, là où il y a des barres, en fait, il y a le bleu, s'il vous plaît. Moi, ça me permet bien de voir si vous voyez la même chose que moi. Très bien, impeccable. Donc ça, ce sont vraiment des phases de conso. D'accord? Alors bien sûr, dans une tendance haussière, les phases de hausse sont mises en évidence par l'indicateur ascendant qui est coloré en vert, comme je viens de le dire, et les phases de conso sont mises en évidence par l'indicateur qui est colorié en bleu. Donc au niveau du code couleur, c'est très simple. Vous voyez du vert,
c'est que ça monte. Du bleu, zone de consolidation. Si c'est du rouge, eh bien c'est que ça descend. Très simplement. Donc alors je répète, hein, dans une tendance haussière, les phases de hausse sont mises donc en vert, les phases de creux sont en bleu. Dans une tendance plutôt baissière, eh bien vous avez des phases de baisse qui sont mises en évidence par un indicateur colorié en rouge, et les phases de conso toujours en bleu. Les phases de consolidation, retenez bien, c'est toujours, toujours, toujours en bleu. Alors, vous avez bien sûr, pour pouvoir distinguer, on va dire, facilement les différentes phases, donc haussière, baissière et consolidation, eh bien on peut utiliser le bouton qui est présent dans l'assistant visuel, afin de synchroniser la coloration des bar charts et du market phase indicator. Je m'explique. Vous avez ici, je ne sais pas si vous le voyez, si vous le voyez, je pense, dans le webinaire, vous voyez l'assistant visuel qui se trouve tout en haut, dans le cartouche, tout en haut de la zone graphique. Là où c'est marqué achat à seuil de déclenchement, avec un petit symbole, avec un taureau. Eh bien, tout à droite, vous avez en fait un icône qui ressemble à une flèche bleue qui tire vers la droite, une flèche noire qui tire vers la gauche. Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît, ça montrerait que vous voyez bien cette option. Alors, plutôt ici, en fait, hein, voilà, là où il y a toutes les fléchettes. C'est sous le bouton qui représente une clé à molette et un marteau. Eh bien, en cliquant dessus, alors là, je vous demande simplement de regarder. Alors, je vais grossir, bien sûr, volontairement ma zone graphique. Voilà. En cliquant en fait sur ce bouton, eh bien vous avez automatiquement eh bien les barres qui sont coloriées en fonction donc des zones baissières, zones haussières et zones de conso, très simplement. Et en recliquant dessus, voilà, là donc on n'a pas du tout de signaux qui s'affichent. Et si on reclique une dernière fois, alors on aura les signaux d'entrée et sortie. Et justement, ça, on va en parler juste après. Alors, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le dialogue en direct par rapport à ce qu'on vient de voir. Je peux revenir sur différents points, bien sûr, que l'on a vus. Hein. Pour le moment, je pense que c'est assez simple puisqu'on parle simplement d'ergonomie et de couleurs pour bien comprendre vraiment le code utilisé par nos analystes techniques Wall Data. Alors, quel est le but de la méthode? Le but de la méthode, vous l'avez compris, c'est de suivre la tendance. Ça, c'est une chose. Mais vous avez aussi une autre chose, c'est de détecter en fait tout ce qui est range. Tout ce qui est zone de consolidation. Ça évite quoi? Ça évite en fait d'entrer et ou de sortir donc d'une valeur que vous êtes en train de suivre bêtement. C'est-à-dire que souvent, en tout cas, ça peut arriver très souvent, à 90% des cas, lorsqu'on a une phase de consolidation, admettons, là par exemple, regardez, là je ne mets pas du tout de signaux, lorsqu'on est dans une phase complètement plate comme celle-ci, voilà, eh bien on se dit, bon là ça descend, qu'est-ce que je fais? Je sors, je rentre, et puis bah, très souvent on peut arriver justement à des cas où on va sortir alors que non, il fallait rester vraiment en position puisque il y a la hausse après, ben, il y a une nouvelle dynamique haussière qui est reprise donc, par la cotation. D'accord? C'est tout ça qui est vraiment très difficile à faire. Donc bien sûr, il est aussi pas très très simple de rentrer sur la valeur. Ça c'est une autre chose encore. Il n'est pas simple de suivre la valeur, il n'est pas simple d'en sortir. Eh bien, grâce à votre méthode de tendance market phase indicator, eh bien, vous allez avoir une méthode complète de A à Z. Détection de l'entrée, suivi de la valeur et détection de la sortie. Alors pour ça, qu'est-ce que vous allez utiliser? Eh bien, vous allez utiliser en fait le Market Analyzer Wallmaster qui se trouve sur votre gauche. Alors, est-ce que vous pouvez cliquer s'il vous plaît n'importe où dans le Market Analyzer Wallmaster s'il vous plaît? Impeccable. Alors, petite parenthèse, peut-être que certains ont remarqué, si jamais vous avez acheté le Market Phase Indicator, enfin l'ATXPERM MPI, il y a de ça un mois et demi, 2 mois, ou même en dessous de ça, eh bien vous n'avez pas du tout le même visuel. Ne vous inquiétez pas, il y a une mise à jour donc, qui est faite, qui sera faite cette semaine et la semaine prochaine, permettant d'avoir exactement le même visuel que moi. C'est-à-dire, c'est un visuel qui est retravaillé pour que ce soit encore plus simple au niveau de la lecture. Donc, au niveau de ce visuel, comment ça fonctionne? La première colonne, c'est l'information et détail des valeurs. Très simplement, vous avez donc le nom de la valeur, vous avez son mnémonique qui est mis en avant, le dernier cours reçu, donc là on peut le voir par exemple sur Alcatel 0.886, et à côté, donc vous avez un cartouche qui est vert ou rouge, et bien qui correspond tout simplement à la variation de la valeur depuis la veille. D'accord? Donc ça, c'est une information que vous pouvez retrouver dans vos journaux. Donc plutôt que de descendre au kiosque, eh bien vous avez tout dans le logiciel.
Mais surtout, donc, comme je disais, le cœur de la méthode, c'est la deuxième colonne, qui est signaux et positions en cours. Donc dedans, en fait, eh bien, vous avez plusieurs types de signaux qui sont détectés. En tête de liste, vous avez en fait des signaux qui sont orange, puis suivis de signaux qui sont bleus, enfin des signaux qui sont plutôt verts, et pour finir, je ne sais pas si je vais en avoir, si j'ai des signaux qui sont rouges, et des signaux. Normalement, vous avez des signaux qui sont noirs. On tentera d'en trouver tout à l'heure. On va commencer par les signaux qui sont orange. Donc, par exemple, si je prends comme cas d'école Alcatel, en orange, il est inscrit, il y a juste à lire en fait, hein, entrée en position suggérée, type achat, puisque je vois A. Et qu'est-ce qui est marqué ici donc en petite suggestion? Donc, c'est achat et seuil de déclenchement, on vous donne le seuil et la quantité. Alors juste en fait, dans ces trois lignes, eh bien vous avez un tas d'informations super intéressantes et super importantes. Entrée en position suggérée. Donc là, on vous suggère effectivement d'acheter la valeur. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est l'achat à seuil de déclenchement. D'accord? Alors, pourquoi achat à seuil de déclenchement? Donc pour ça, eh bien, je vais me permettre d'aller dans le passé pour montrer un cas vraiment bien spécifique. Donc, qui s'est déroulé à peu près, on va dire, fin janvier 2011. Je vais grossir volontairement les cotations et revenir donc en janvier 2011. Comme ceci. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, donc le premier signal qui est détecté donc en janvier 2011, qui représente donc un bar chart orange avec un A par-dessus. Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît, voilà, comme viennent de le faire donc vos collègues. Voilà, impeccable, je vous en remercie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que cette entrée en position suggérée? Il faut savoir que c'est comme toute méthode de travail, bien entendu, c'est pas non plus le Saint Graal, d'accord, qu'on se le dise. C'est-à-dire que c'est pas parce que on vous dit, par exemple, d'acheter purement que forcément la valeur va aller dans le sens que l'on souhaite. Donc, nous, en fait, eh bien, cette méthode est drôlement sécurisée. C'est-à-dire que par rapport à la tendance de la valeur, donc je vais allonger ici mon bar. Eh bien, ici, comme nous sommes dans une tendance, vraiment après une sortie de phase de consolidation, nous sommes dans une tendance haussière, eh bien, il détecte vraiment un potentiel assez important pour pouvoir détecter une tendance haussière, vraiment de long terme, on va dire. Mais avant cela, voilà, il vous met le petit A, qui correspond en fait à un seuil qui est de l'ordre de 4,478. C'est-à-dire que lui, en fait, eh bien, la méthode vous dit, voilà, vous rentrez en position, que si, alors, retenez bien, c'est très important, que si et seulement si le cours atteint 2,48 euros. D'accord? Je vais mettre la souris sur le signal. Voilà, là on le voit très bien. Bon, la stratégie, donc ça serait plutôt une stratégie haussière. Nature du signal, sortie de consolidation. Ordre à passer sur le marché, donc vraiment un achat à seuil de déclenchement. Le seuil est de 2,478. D'accord? On va justement s'arrêter là. On continuera par la suite au niveau des informations. Donc, tant que la valeur n'a pas atteint ce seuil, vous ne rentrez pas en position. Ça sert à quoi? Simplement sécuriser vraiment votre achat. C'est-à-dire que vous n'allez pas rentrer si jamais le cours continue sa dynamique baissière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, vous ne perdez pas d'argent si jamais eh bien, la tendance est invalidée. C'est-à-dire que comme vous ne rentrez pas en position, il faut savoir que vous avez les frais de votre broker ou de votre PEA. Donc, comme ça, au moins, ces frais sont évités. Vous ne rentrez que si et seulement s'il y a vraiment un réel potentiel. D'accord? Comment est-ce qu'on voit qu'on rentre en position sur l'écran graphique? Très simplement, vous avez en fait le bouton, en tout cas l'icône Enter Long, ici. Donc, entrée long, ça veut dire que nous sommes acheteurs sur du long terme. D'accord? Est-ce que vous voyez tous, toutes et tous, le signal Enter Long? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Très bien, je vous en remercie. Donc, je vais attendre que les flèches disparaissent. Voilà. Alors, il faut savoir que ça, c'est partout, excusez-moi pour la voix, ça, c'est partout, en fait, dans le logiciel. Dès que vous avez un icône qui est détecté, eh bien, vous avez une aide, en fait, eh bien, à l'analyse. Vous mettez la souris dessus. Alors là, il y a un zoom qui est fait dessus. Vous avez ce qu'on appelle un AT-Sense qui vous donne vraiment toute l'information concernant le signal. Là, on nous dit que l'ordre d'achat est exécuté. Pourquoi? Parce que, ben, il a dépassé le seuil qui était à 2,478. Nature de signal, donc sortie de zone de consolidation, vous donne la date, le cours, la quantité, le montant investi, ordre à placer sur le marché avec le stop de protection et la vente à seuil de déclenchement, c'est-à-dire le seuil du stop en fait. Hein.
Donc dedans, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'on ne vous dit pas simplement d'acheter la valeur, on vous donne vraiment une stratégie vraiment de money management. Donc qu'est-ce que c'est qu'une stratégie money management? C'est simplement en fait qu'on encadre sa stratégie. Bien sûr, je rentre, j'achète, mais il faut aussi penser à mettre son stop de protection. Parce que c'est pas parce que le module vous dit vraiment d'acheter que forcément ça va sortir à la hausse, d'accord? Donc là, on va vraiment protéger ici son entrée. Comment protéger son entrée? Eh bien, en mettant justement l'information chez votre broker qui sera le stop de protection. Donc nous, on vous le donne. Pourquoi est-ce qu'on vous le donne? Première chose, en fait, on a détecté une chose chez certains de nos clients, en fait, la majorité au départ, si je puis dire. Lorsqu'on n'a pas vraiment de méthode de travail, il est très difficile de mettre un stop de protection. On se dit, voilà, est-ce qu'il faut que je le mette proche du cours? Est-ce qu'il faut que je le mette très très loin? À chaque fois que je mets un stop, eh ben, je suis directement enfoncé. Et donc, à chaque fois, je sors alors qu'au départ, eh bien, j'avais bien détecté la chose. C'est vraiment pas évident. Il faut savoir que le stop de protection donné par le Market Phase Indicator est vraiment donné valeur par valeur. C'est-à-dire qu'en fait, on tient compte de la volatilité de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre deux exemples simples. Alcatel et une valeur comme une devise qui est l'euro-dollar, admettons. Ils ne réagissent pas du tout pareil. Vous n'avez pas du tout les mêmes écarts. L'euro-dollar, il y a vraiment une très très forte volatilité qui est dessus. Donc l'euro-dollar, par exemple, on va préférer mettre un stop de protection un petit peu plus loin, à 2 ou 2,5%. Alors qu'une valeur comme Alcatel, on va tenter de le mettre un petit peu plus proche du cours. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu moins de variation. Ok? Eh bien là, la méthode le fait pour vous. C'est-à-dire que là, on voit notre stop de protection qui est donné ici. Là, on peut le lire. Je mets la souris dessus. Il est à 2,35 euros. D'accord? Très simplement. Donc, une fois que le stop de protection est mis, bah, comment ça se passe? Très simplement. Hein, attendez, hop, je vais revenir en arrière. Le stop de protection est mis, mais après, il y a juste à suivre la valeur. Donc, tous les soirs, vous lancez votre logiciel. Vous faites la connexion au flux de bourse et vous regardez où en est votre valeur. On voit quoi? On voit ici les barres qui sont vert foncé. Ça veut dire qu'on est toujours en tendance haussière. Donc là, c'est impeccable. On est vraiment dans le bon sens. Et après, donc là, je vais grossir un petit peu mes bar charts. Voilà. Et après, par exemple, en date du 2 mars 2011, vous avez un petit V avec une croix et avec donc un bar chart qui est bleu. Est-ce que vous voyez toutes et tous, si vous pouvez cliquer s'il vous plaît sur le petit V qui apparaît? Voilà, impeccable, je vous en remercie. Donc alors qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça veut dire qu'on a détecté une phase de consolidation. Une phase de consolidation très importante pour la valeur. C'est-à-dire que là, c'est la valeur qui stagne. Il y a autant d'acheteurs que de vendeurs. On ne sait pas trop où ça va partir. D'accord? Et donc, dans ces cas-là, la méthode le détecte. Détectant justement ces zones de consolidation, eh bien, on va protéger vos gains. Comment protéger les gains? Eh bien, on va mettre un ordre de stop, très simplement. Donc, l'ordre de stop est donné ici. Alors, attention, on ne vous dit pas de sortir. On vous dit, voilà, mettez un stop de protection. Ça veut dire quoi? Là, c'est le cas actuellement. C'est-à-dire qu'en mettant ici ce seuil de stop, qui serait donc aux alentours. Bah, je vais mettre la souris sur le V, il va me le donner, qui serait aux alentours de 3,29 euros. Eh bien, vous ne sortez que si et seulement si le bar chart atteint justement ce seuil, cet ordre de stop. Qu'est-ce qu'on voit après? On voit une croix. Ça veut dire que le stop de protection est invalidé. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, on est toujours en course sur la valeur. Donc, je continue mon petit bonhomme de chemin et je suis la valeur. Donc là, ici, en date du 7 mars. Je suis toujours en possession de la valeur. Tiens, le 15 mars, encore une forte zone de consolidation détectée. Là, qu'est-ce qu'on voit? Pareil, un ordre ici de stop de protection qui est donné. Et là, qui se suit? Le 15 mars, le 16, le 17. Mais la valeur n'a toujours pas atteint ce seuil. Donc en fait, je reste toujours en position. Etc. Etc. Donc là, je suis toujours la valeur. Voilà. Jusqu'à arriver ici. En date du 17 mai. Le 17 mai, en tout cas juste avant le 16 mai, on a détecté ici une zone de consolidation, encore une forte zone de conso. Là, on met un ordre de vente. D'accord? Donc un ordre de stop de protection. Qu'est-ce qui se passe après?
Eh bien, on a le bar qui franchit ce seuil. Très simplement, lorsque ça vous arrive, alors il faut sortir. C'est-à-dire que là, vous revendez absolument tout. Je mets la souris sur le bouton Exit Long qui est noir. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, voilà, donc je vais le lire avec vous si vous me permettez. Clôture de la position acheteuse. Le signal généré par le Market Phase Indicator, le MPI, a été validé. Votre ordre de vente à seuil de déclenchement est exécuté. La position acheteuse est donc clôturée, tout simplement. Vérifiez que tous les ordres en cours de la valeur sont annulés. Date de clôture, 17 mai. Donc on l'a gardé plus ou moins 5 mois quand même la valeur en portefeuille. Cours de clôture, voilà. Et on a une plus ou moins value qui est l'ordre de 68,02% sur la valeur d'Alcatel. Donc de fin janvier à mi-mai 2011. D'accord? Voilà. Donc là, vraiment, on voit que c'est très très intéressant. On continue. C'est pas tout. C'est-à-dire que le marqueur, ceux qui font de la vente à découvert. D'accord? Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la vente à découvert? Si vous pouvez me mettre, s'il vous plaît, dans le dialogue en direct, un O pour oui, un N pour non. Voilà, donc j'ai du oui, j'ai du non. Donc alors, une vente à découvert, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez donc l'achat et vente, c'est-à-dire que j'achète en bas, je revends en haut. La vente à découvert, c'est le même principe, mais on retourne le sens. C'est-à-dire que on va en fait, eh bien ici, vente à découvert. En fait, on va parier sur la baisse du titre. Là, voilà. Et tout en bas, donc on va faire le rachat de la vente à découvert, tout simplement. Vraiment, c'est la même chose, mais en sens inverse. Alors, là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ici, on a en orange donc une zone de seuil à déclenchement, c'est-à-dire qu'on vous donne ici un seuil de vente à découvert, donné par les petits pointillés orange. Tant que le cours n'a pas atteint ce seuil, on ne rentre pas en vente à découvert. D'accord? Très simplement, donc là, ici, j'ai le 11 avril, le 12, le 13, je ne suis pas rentré en vente à découvert. Par contre, le 17 avril, eh bien, mon cours passe ce seuil, donc je rentre en vente à découvert tout simplement. Je suis la valeur, je rentre en zone de consolidation puisque je vois le bar chart qui est bleu. Et donc là, il me propose justement de racheter ma position puisque je vois le bar noir qui me dit exit short. Et donc là, bah, très simplement, je vois clôture de la position vendeuse. Le signal de clôture de la position générée par le MPI a été validé. Votre ordre d'achat à seuil de déclenchement est exécuté. La position vendeuse est donc clôturée, très simplement. Donc vous voyez là, on vous suit de A à Z. Alors là, je suis sûr, je suis persuadé qu'il y en a qui sont en train de se dire, ah, Steven, il est bien beau, mais il nous montre les choses qui fonctionnent. Alors il faut savoir une chose. Bien sûr, je vous l'ai dit depuis le début, c'est une méthode de travail, mais c'est pas non plus Saint Graal. Par moment, ça peut ne pas fonctionner, bien sûr. Mais que ça ne fonctionne pas, c'est une chose. Mais du moment qu'on sait que ça ne fonctionne pas, eh bien ça c'est impeccable. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre sur des valeurs sur lesquelles ça ne fonctionne pas. Comment détecter que ça ne fonctionne pas? Eh bien, très simplement, grâce à une colonne que j'ai cachée volontairement, hein, c'est la colonne performance du Market Phase Indicator. Alors, est-ce que vous voyez tous et tous, s'il vous plaît, cette nouvelle colonne que je viens d'afficher, la troisième en fait, si vous pouvez cliquer dedans, s'il vous plaît. Impeccable, je vous en remercie. Donc là, on va faire une explication d'à peu près 10 minutes, 15 minutes maxi pour vous expliquer vraiment la dynamique de cette colonne, comment la lire, comment l'utiliser. Et vous allez voir après, ça va être vraiment d'une simplicité enfantine. Juste avant, petite information que j'ai omis de vous donner. La méthode de travail Market Phase Indicator fonctionne sur tout type de marché, que ce soit le CAC, le SRD, Dow Jones, Nasdaq, etc. Et sur tout type de produits financiers, que ce soit donc les actions, SICAV, FCP, les OPCVM, devises et autres, d'accord? Et bien sûr, sous tout type de période de temps, que vous soyez court terme, moyen terme, long terme, d'accord? Il y a juste une petite chose, bien sûr, préférez les valeurs quand même avec un minimum de volatilité. C'est ce que je disais pour ceux qui étaient là au salon de l'actionnariat, donc vendredi, samedi. Si vous m'appelez en me disant, voilà, Steven, ta méthode, enfin la méthode MPI ne fonctionne pas, je vous poserai une question au départ, c'est sur quelle valeur vous travaillez? Et là, si vous me donnez un varan vietnamien ou hongrois avec deux esquimaux qui travaillent dessus, je vous dirais non.
Ça, c'est pas possible. Il n'y a pas suffisamment d'aller-retour sur la valeur pour que vraiment elle soit vraiment performante, d'accord? Alors juste en même temps, je regarde les questions. Donc là, je suis épaulé de mon collègue Ilia qui répond aussi aux questions. Pour Jean-Pierre, turbo, oui, ça fonctionne aussi sur les turbos. Alors, cette colonne, profil et performance, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un back testing de la méthode. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le constater, sur l'écran graphique, sur 2 ans en arrière, hein, si je montre l'historique de la valeur sur 2 ans, on a tout un tas donc d'entrées et de sorties. Toutes ces entrées et sorties cumulées, si par exemple au départ on investit 1000 euros sur la valeur, on se dit voilà, on a 10 000 euros, j'investis sur la valeur, eh bien ça nous donne une performance, d'accord? Une performance qui est donnée sur la valeur et sur 2 ans en arrière. Bon. Là, qu'est-ce qu'on voit? Si je prends par exemple Alcatel, la ligne Alcatel dans mon market analyzer, je suis sur le profil actuel numéro 1 qui me donne sur 2 ans en arrière une performance de 119,5%. Ok? Donc en fait, si jamais j'ai suivi les signaux scrupuleusement d'entrée et de sortie, et bien sûr, j'ai les trades gagnants et perdants et j'aurais généré donc par exemple 119,50% donc de gains. Okay? Juste en dessous, on me dit voilà, il existe un meilleur profil qui est le profil numéro 3 qui me donnerait en fait 189,71% de performance de la méthode sur cette valeur. Alors, là, justement, on va rentrer dans une explication. On parle de profil. Qu'est-ce que ça veut dire, ce profil? Donc là, je vais rentrer vraiment dans les paramétrages. Je vous montre ici. En cliquant, en fait, dans l'assistant visuel, vous avez la clé à molette et le marteau. Je clique dessus. Voilà. Et j'arrive sur le mode, on va dire, entre guillemets, avancé de la méthode. Donc alors, petite parenthèse, bien sûr, vous n'avez pas forcément, l'obligation d'aller dans ces paramètres-là. Le logiciel et la méthode vraiment installée par défaut fonctionnent déjà très bien. Donc vous avez profil 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce que sont ces profils? Eh bien, chaque profil vraiment permet d'appliquer une combinaison de paramètres préconfigurés par nos analystes Waldata afin de déterminer en fait eh bien, les meilleures performances de la méthode MPI. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je l'ai dit au départ, vous avez tout un tas de valeurs, d'accord? Il existe des milliers, des dizaines de milliers de valeurs dans le monde. Il y a des valeurs qui sont très volatiles. Il y a des valeurs qui sont un petit peu plus cool, c'est-à-dire qui évoluent vraiment tout doucement. On voit même arriver la tendance avec de gros sabots. Il y a des valeurs qui travaillent en type de saison, d'une saison sur l'autre, qui se rejoignent plus ou moins. Vous avez aussi des valeurs avec vraiment de fortes volatilités. Et on peut le voir aussi des valeurs avec de très très grandes ombres, par exemple, sur les bar charts ou les chandeliers. Il faut savoir que le MPI, c'est un indicateur technique mathématique, tout comme la moyenne mobile, le RSI, le MACD. Et tout comme ce genre d'indicateur, il faut adapter les paramétrages selon la valeur que l'on est en train de travailler. Eh bien, ces profils qui ont été créés par nos analystes Waldata prennent en compte une généralité de types de valeurs. Des valeurs un petit peu plus cool, des valeurs très très dynamiques, des valeurs avec de fortes volatilités, etc., etc. Donc, chaque profil va correspondre à un type de valeur. Donc, on pourrait se dire, bah, comment adapter, pourquoi je ne préférerais pas le profil 2 pour Alcatel, pourquoi pas le 6, pourquoi pas le 4? Eh bien, ça, la méthode vous donne automatiquement le meilleur profil. Et ce, depuis en fait la meilleure performance. Par exemple, je vais prendre donc toujours Alcatel, mon cas d'école. Profil numéro 1, donc par défaut, tout le monde est sur le profil numéro 1 à l'installation. De toute façon, on est obligé de se mettre sur un profil, donc c'est numéro 1. Mais lui, en fait, eh bien, en temps réel, derrière, dynamiquement, en fait, il va travailler les 5 autres profils. Et selon la valeur, il va vous dire, voilà, le profil qui est le meilleur pour la valeur, c'est, par exemple, pour Alcatel, le numéro 3. Donc tout de suite, ce que l'on fait pour essayer de chercher la meilleure performance, eh bien, on va cliquer sur le bouton modifier. Est-ce que vous voyez toutes et tous ce bouton modifier? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, je vous en remercie, c'est impeccable. Eh bien, je vais cliquer sur le bouton modifier. Et vous, ce que vous ferez à la maison, voilà, par exemple, je prends Alcatel, hein, je clique sur le bouton modifier d'Alcatel. Eh bien, on me dit que c'est le numéro 3. Eh bien, je vais sélectionner le profil numéro 3.
Est-ce que vous voyez toutes et tous le profil numéro 3, s'il vous plaît, dans la boîte de paramétrage? Voilà, impeccable. Superbe. Je vous en remercie. J'attends simplement que les fléchettes disparaissent maintenant. Donc, je sélectionne avec un clic gauche de la souris le profil numéro 3 et je clique sur Quitter. Automatiquement, en fait, voilà, Alcatel se met sur le profil numéro 3 qui nous donne la meilleure performance. Alors, petite parenthèse, ça ne veut pas dire que là, on a fait 189% donc de performance sur 2 ans. Ça ne veut pas dire que les 2 ans à venir, vous serez également 190% ou 100% de plus-value. D'accord? Ce n'est pas une méthode automatique qui. C'est pas la boule de cristal. Par contre, ça vous donne une information. Ça veut dire simplement que la méthode du market phase indicateur fonctionne parfaitement sur la valeur Alcatel. Je répète parce que c'est important. Ça veut dire que la méthode MPI fonctionne sur la valeur Alcatel. Pourquoi je mets le point là-dessus? Parce que par exemple, je vais vous montrer des valeurs où ça ne fonctionne pas. Je vois la valeur Legrand, admettons. La valeur Legrand, donc pareil, hein, vous avez ici, hop, voilà, vous avez les signaux d'entrée et de sortie qui sont générés. Regardez par exemple, je ne le cache pas, hein, vous avez ici une entrée en vente à découvert le 25 novembre et directement sortie le 30 novembre. Ça ne fonctionne pas, on est plutôt perdant. Là, pareil pour octobre 2011, etc. À la rigueur, on n'a même pas un trade gagnant ici en janvier. D'ailleurs, je le vois, la performance est négative. On perd 47% justement du capital investi sur la valeur sur 2 ans en arrière. Il nous dit qu'il existe un meilleur profil que moins 47%. Oui, c'est un meilleur profil. Il donne moins 39,91%. J'ai modifié, hein, voilà, je me mets sur profil 6. Mais quand on sait que, là, je suis sur le marché du CAC 40. Quand on connaît les valeurs sur lesquelles la méthode ne fonctionne pas, bah c'est parfait. Ça veut dire qu'on ne va pas justement s'intéresser à ces valeurs-là. Par contre, on va simplement s'intéresser sur les valeurs qui fonctionnent. D'accord? Alors, petite astuce. Je pense qu'il va plaire à beaucoup d'entre vous, puisque c'est une astuce d'utilisation. Et surtout, donc, ça fera partie de cette nouvelle monture, cette nouvelle version du Market Phase Indicator. Je suis sur le CAC 40, j'ai 41 valeurs à l'intérieur. Le but, bien sûr, n'est pas de cliquer sur chacune des valeurs et de modifier son profil. Vous avez maintenant une nouvelle option, c'est-à-dire qu'en cliquant sur le bouton Modifier, vous avez ici activé automatiquement le meilleur profil sur toute la liste que vous suivez. Est-ce que vous voyez ce gros bouton-là, ce grand rectangle? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, impeccable. Donc comme ça vous évitera de faire la même manipulation sur 40 valeurs ou sur 200 valeurs ou sur 300 valeurs, suivant la liste que vous utilisez. Et regardez, je clique dessus. Êtes-vous sûr de vouloir appliquer le meilleur profil à toutes les valeurs? Je mets oui. Là, il est en train de travailler donc en temps réel sur toute ma liste du CAC 40. Voilà. Et regardez ce qui se passe. Maintenant, je sais que sur toutes mes valeurs du CAC, je suis donc sur le meilleur profil utilisé. Et regardez, là par exemple sur tout le CAC 40, en fait, eh bien, je vais avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, on va dire une vingtaine de valeurs sur lesquelles la méthode ne fonctionne pas. Mais ça veut dire que j'ai 20 valeurs sur lesquelles la méthode fonctionne, en tout cas, on a une performance positive. Sur la performance positive, bien sûr, on va préférer celles qui vont dépasser, on va dire, 30%. Et donc dans ces cas-là, je me retrouve avec 1, 2, 4, 6, 8, 9 valeurs. 9 valeurs que je peux suivre. Je vais suivre justement les entrées et les sorties suggérées par la méthode MPI sur mon écran graphique. Mais on peut encore une fois, si vous avez bien sûr un petit peu plus de temps, parce que là, en fait, là, c'est une analyse que l'on fait en 5 minutes. En 5 minutes, le soir, je rentre à la maison, je lance ma connexion. Et je regarde les différents signaux d'entrée et de sortie. Et après, donc, je peux justement les suivre. Pour celui qui a un petit peu plus de temps, à savoir une vingtaine de minutes supplémentaires le soir, eh bien, vous pouvez filtrer davantage les profils. Je m'explique. Par exemple, je vais prendre une valeur comme. Tiens, il va me falloir un cas d'école. Alors, ça va prendre 5 minutes, hein, si vous me permettez. Toc. Voilà, ça me plaît bien. Essilor. D'accord? Essilor, on a une performance sur 2 ans en arrière de 12,36%.
C'est bien, c'est pas négatif. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais bon, c'est pas mal. D'accord? Comment voir justement que la méthode est vraiment performante là-dessus? On a 12%, mais ça se trouve, en fait, on a fait 12% en un seul trade. Et que les autres trades, si on a eu 5 ou 10, ça se trouve, ils sont tous perdants. Eh bien, on a rajouté un indicateur qui est très, très, très intéressant et se trouve tout en bas. C'est l'ATExpert MPI Performance. Est-ce que vous le voyez, s'il vous plaît? Si vous le voyez, cliquez dedans. C'est la dernière zone graphique de votre écran graphique. Voilà. Donc je vais l'agrandir, hein, volontairement. Donc vous voyez, donc, pour moi, ça ressemble ici à une casserole. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, ça représente le capital investi sur votre valeur il y a 2 ans. La ligne horizontale, le départ de la ligne 0, en fait, correspond par exemple aux 10 000 euros investis sur la valeur. Autrement, aux 5% de votre capital disponible pour travailler justement en bourse. On a 10 000 euros. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ici. Eh bien, à chaque fois, eh bien, ça va cumuler nos gains et nos pertes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, au niveau régularité, excusez-moi, mais il y a mieux. Ok, on a fait 12%, mais c'est grâce à un seul trade qui a eu lieu donc on va dire mi-octobre. Sinon, tous les autres trades étaient perdants. Regardez, là, on perd vraiment. Ça représente tout simplement en fait le graphique de votre capital engagé valeur par valeur. Ce que l'on va préférer, nous, justement, pour une gestion des risques, eh bien, ça va être une valeur, je vais reprendre mon cas d'école, Alcatel, où on a vraiment une régularité des gains. C'est-à-dire que je commence ici, par exemple, à 10 000 euros, et aujourd'hui, donc, je suis vraiment en hausse, vraiment une belle continuité de mes gains sur la valeur. Donc, niveau régularité des signaux, c'est top. C'est-à-dire qu'il y a vraiment très très peu de signaux qui ne fonctionnent pas. Là, j'en vois un signal, par exemple, on va dire début juillet, quoi. Hein. D'accord? Juste là. Donc, vous, si vous avez un petit peu de temps, eh bien, dans ces cas-là, vraiment, essayez d'aller sélectionner les valeurs. Vous voyez où il y a une régularité. Par exemple, je vois Crédit Agricole, je vois Vallourec, Société Générale, Carrefour. Carrefour, quand même, on a une belle régularité également. D'accord? On a vraiment une hausse, une belle continuité. Renault aussi, c'est intéressant. Bon, Arcelor, on voit une très très grande flambée, mais après, ça fait un petit peu peur. Vous voyez, là, on perd vraiment de notre gain. OK? Donc, eh bien, tous ces outils vont vraiment vous permettre, eh bien, de sélectionner les valeurs à fort potentiel, mais surtout de suivre vos valeurs et d'éviter de sortir bêtement de la valeur. Regardez, si je reprends Alcatel, je reprends le cas donc de février, de janvier à mai 2011. On a évité quand même de sortir 2, 4, 6, 8, 10 fois, 11 fois de la valeur. On a évité 11 fois le montant de vos frais, quand même, c'est pas rien quand même, hein. On évite en fait eh bien, d'engrosser, on va dire, notre broker, quoi. Hein. D'accord? Donc alors, la méthode de travail du market phase indicateur, c'est une méthode complète d'aide à la décision qui vous permet vraiment de suivre votre tendance. Vous avez vraiment entre vos mains une méthode de suivi de tendance efficace. D'accord? Son utilisation vous donnera vraiment la rigueur nécessaire pour réussir vos investissements, que vous soyez vraiment court terme, moyen ou long terme. Suivant aussi ben, votre métier. Même, je sais que nous, on a des gestionnaires, par exemple, qui l'utilisent, ils en sont vraiment ravis. Cependant, vous ne devez pas oublier qu'il s'agit d'un outil d'aide à la décision et non pas d'un autopath de trading, hein, bien sûr, d'accord? Chacune de vos décisions et chacune de vos prises de position doit être bien réfléchie. Donc après, rien ne vous empêche aussi d'utiliser les outils supplémentaires de votre logiciel Wallmaster SE. Donc justement, ça me permet de faire la transition par rapport au logiciel. À savoir, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai une version qui est la 4.614 pour ceux qui ont déjà le logiciel Wallmaster XE d'installer sur son ordinateur. Cette version donc arrive petit à petit, donc cette semaine et jusque la semaine prochaine. Vous l'aurez en live update automatique, en téléchargement automatique. Un matin, vous allez vous connecter ou un soir et automatiquement cette version vous sera téléchargée et installée. À l'intérieur, vous avez plusieurs nouvelles choses. Par exemple, ça a été beaucoup beaucoup demandé cette année. C'est un nouvel indicateur. En faisant un clic droit n'importe où dans la zone graphique, propriété des indicateurs, ajouter un indicateur. Alors attendez, on va passer même plus facilement en cliquant tout bêtement sur le bouton ici, ajout indicateur.
Vous avez soutien résistance. Voilà, je valide. Et donc vous avez donc les soutiens résistance qui apparaissent, on va dire, donc à la verticale à gauche de votre zone graphique. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour ceux donc, qui savent l'utiliser, qui vous donnent vraiment par rapport une moyenne en fait des volumes et selon les différentes dates de la valeur. Autre chose aussi, en bougeant la souris, vous n'êtes pas sans savoir que vous avez un petit croisillon rouge qui vous suit. Eh bien, en tapant une fois sur la touche contrôle de votre clavier, par exemple ici, nous sommes à peu près à 0,897. Eh bien, en mettant la souris, mettons à 1,30, ça vous donne l'écart de prix qu'il y a donc entre le cours actuel et justement où se trouve votre souris. Comme ça, eh bien, automatiquement, vous avez l'information ici qui vous donne, qui vous est donnée en pourcentage et en points, d'accord, dans le petit cartouche écart de prix. Autre chose aussi, ça vous le verrez, je pense, plus sur votre écran que sur le webinaire, mais vous avez toute interface graphique qui a été redessinée. Et surtout, par exemple, au niveau des chandeliers, on leur a mis un petit coup de beauté. Je vais ouvrir un autre écran graphique, par exemple un graphique de base où je vais avoir des chandeliers japonais. Voilà. On a fait un côté bombé en fait, et bien sûr, ça aussi, bon, ça a été demandé, ça a demandé, donc on l'a mis au point pour nos clients, bien entendu. Autre chose, dans la palette graphique, c'est-à-dire ce qui vous sert justement à tracer des lignes obliques, à tracer des fourchettes d'Andrew, des retracements de Fibonacci, eh bien on a rajouté plein d'autres options qui vous permettent par exemple eh bien, de tracer vos vagues d'Elliott, par exemple. Tiens, petite question pour les habitués ou ceux qui viennent même d'installer le logiciel. Où se trouve, s'il vous plaît, la palette d'outils chartiste? Voilà, impeccable. Très bien. Donc, en cliquant sur l'onglet graphique en haut à gauche, comme ceci, eh bien, vous remarquerez eh bien, que vous aurez en fait eh bien, des petits boutons, des petites icônes qui vont vous permettre vraiment, vraiment, vraiment de gagner du temps. Par exemple ici, je me dis bah tiens là j'ai la première vague. Là ici j'ai la deuxième vague. À l'intérieur je vais avoir A, B, C, puis ensuite la troisième vague, etc. etc. Bon ça je pense que vous savez tracer pour ceux qui connaissent les vagues d'Elliott, je pense mieux que moi en tout cas. Vous avez aussi donc des flèches donc horizontales, haussières et baissières que vous pouvez mettre directement en un clic de souris sur votre écran graphique. Autre chose aussi, parce que c'est très peu connu malheureusement de nos utilisateurs Wallmaster, vous avez ce qu'on appelle la barre de supervision. Donc même si elle a maintenant à peu près 9 mois d'existence, pour moi c'est comme si c'était une nouveauté parce que malheureusement, comme je le répète, elle est très peu utilisée. En cliquant sur l'onglet Outils, vous avez barre de supervision. Et on peut la mettre en haut de la fenêtre, en bas de la fenêtre ou en mode flottante. Donc là, je vais la mettre en haut par exemple. Il faut savoir que lorsque l'on travaille valeur, c'est intéressant, bien sûr, on a le consensus de la valeur, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on n'est pas tout seul. Il y a aussi des indices qui font vraiment bouger les valeurs qu'on utilise, les indices de référence. Vous avez tout le monde entier quand même à checker, si je puis dire, en même temps que vous êtes en train de passer un ordre sur votre valeur. Eh bien, cette barre de supervision va vous avoir vraiment, va vous permettre d'avoir une vision instantanée sur le monde entier. Je m'explique. Par exemple, vous travaillez sur le CAC 40 ou le SRD ou tout autre type de marché, vous avez la possibilité de mettre ici dans le Graph Analyzer palmarès, ici du CAC 40, parce que je suis sur le CAC 40, eh bien, les 5 meilleures valeurs. Ici, juste à côté, les 5 qui ont une plus mauvaise note, si je puis dire, c'est-à-dire qui ont une variation négative par rapport à la veille. À côté, vous avez le World Market. Le World Market qui va vous permettre eh bien, de voir en temps réel l'évolution du CAC 40, du DAX, du Dow Jones, du S&P et de l'euro dollar. Et ça, donc, c'est vraiment en continu si vous avez un flux de temps réel tick par tick. À côté aussi, alors ça, par contre, pour le coup, c'est drôlement utilisé. Dernière note sur les valeurs. Je pense que vous devez recevoir tout un tas de newsletters le matin en vous connectant. Autrement, vous regardez aussi votre morning meeting. Et bien ça, c'est intéressant. Pourquoi? Puisque comme ça, eh bien, vous pouvez archiver des notes, des consensus, des newsletters que vous recevez en un simple copier-coller.
Si par exemple, je prends ici une page web, je vais prendre donc, ici, voilà. Tiens, je vais copier-coller ça, je trouve ça intéressant, d'accord? C'est le programme du webinaire. Je veux le placer, par exemple, sur ma valeur Alcatel à la date du jour. Eh bien, très simplement, je clique sur plus. Voilà, j'arrive sur un petit traitement de texte. Hein. Là, je colle donc mon contrôle V. Voilà. Et je fais OK. C'est-à-dire qu'automatiquement, il m'a gardé ma note sur ma valeur. Mais ce qu'il y a d'intéressant, eh bien, on peut justement rendre dynamique mon graph analyseur dernière note et mon écran graphique en rajoutant simplement un assistant visuel en cliquant sur la baguette magique de mon écran graphique comme ceci. Regardez, je vais mettre note sur la valeur, j'ajoute l'assistant et je valide. Alors, est-ce que, avec votre clic de souris, s'il vous plaît, est-ce que vous trouvez quelque chose qui a été modifié ou un ajout sur ma zone graphique? Voilà, parfait. Vous voyez donc un petit post-it qui apparaît et en mettant la souris dessus, eh bien je retrouve la note sur ma valeur. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va retrouver ça sur tout l'historique de la valeur. Donc comme ça, plutôt que de chercher dans votre boîte mail en disant « Ah tiens mince, j'avais un truc là sur Crédit Agricole, je crois que c'était début mars », vous embêtez plus. Vous utilisez cet outil-là et puis comme ça, vous retrouvez vraiment sur l'historique de votre valeur les notes vraiment qui vous ont intéressé, qui vous ont marqué, très simplement. Alors bien sûr, ça ne s'arrête pas là, la liste n'est pas limitative. Je peux rajouter d'autres graphes analyseurs, comme ceci, par exemple, je peux rajouter des communiqués, des news sur les valeurs. Je peux rajouter aussi les statistiques économiques. En cliquant sur valider, j'ai les graphes analyseurs qui apparaissent. Là, par ici, mise à disposition du rapport financier semestriel. Une nouvelle gouvernance ici pour AK Technologies. Et ce qui est bien, c'est qu'en cliquant dessus, j'arrive directement donc sur la page internet me donnant vraiment l'information. D'accord? Donc comme ça, ben, vous avez toute l'info qui est concentrée quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte bien de temps que vous allez avoir. Pareil, au niveau des statistiques économiques, vraiment, qui font bouger le monde de la bourse. Là, le livre beige, ici, vente de détail. D'accord? Vous avez absolument tout à portée de main. C'est aussi simple que ça. Alors bien sûr, au niveau des nouveautés, ça ne s'arrête pas là. Il y en a beaucoup d'autres qui ont fait leur apparition dans le logiciel. Ça, de toute façon, vous allez avoir une newsletter ou autrement un lien qui vous sera donné une fois, je pense, fin de cette semaine ou début de semaine prochaine. Très simplement. Alors, autre chose, donc avant de clôturer donc la formation de ce soir, donc qui était le webinaire sur le NPI et aussi un petit peu donc, de nouveautés dans le logiciel, plusieurs choses. N'hésitez pas donc bien sûr à consulter, donc je vais revenir dessus, à consulter donc hop, voilà, je vais arriver. Le calendrier des formations Waltran Institute. Il y a des formations adaptées pour toutes et tous. On a par exemple la journée d'un trader qui se fait sur 2 jours plus 5 jours. Donc là, vous allez apprendre ce que c'est que le day trading, d'accord? Du morning meeting à l'entrée en position le matin et à la sortie de position, donc le soir, avec vraiment une méthode de professionnel. Vous avez par exemple le coaching trading, je donne la date du jeudi 6 décembre par exemple. C'est vraiment du coaching en temps réel, c'est-à-dire que vous êtes 9, enfin 8 ou 9 maximum dans notre salle de formation ici située au rue de la Bourse. Un ordinateur par personne, un logiciel Wallmaster par personne, avec notre analyste vraiment qui est un professionnel des marchés, qui est vraiment un trader, et qui va vous coacher toute la journée. Vous avez 100 000 euros donc, en virtuel, et donc vous allez faire des entrées-sorties toute la journée. Et donc le but, c'est d'avoir une bonne dynamique sur les valeurs. Autre chose, vous avez bien sûr ceux qui viennent d'acquérir le logiciel ou pour d'autres qui veulent aussi se rafraîchir, vous avez la formation logiciel premier pas. Ici, donc qui se déroule par exemple le 12 décembre, c'est 2 h 30, donc c'est en fin de journée, vous venez dans nos locaux, et puis là donc on fait un petit briefing, un petit topo, un petit tour du produit qui vous permet d'utiliser vraiment les fonctionnalités principales du logiciel. À côté, vous avez l'atelier de manipulation, donc celle-ci c'est vraiment une des méthodes aussi très appréciées de nos utilisateurs logiciels,
puisque vous êtes pareil, 8 ou 9 par session maximum. Vous êtes avec un technicien Wallata, donc par exemple avec moi-même, et donc toute la journée je vous fais manipuler en alliant donc manipulation logicielle, astuces d'utilisation et méthode d'analyse technique. Donc toute la journée, après-midi, matin, journée, vous avez donc un petit questionnaire. En fait, un espèce de contrôle, si je puis dire, un devoir sur table, mais sur le logiciel, je vous demanderai par exemple de faire tout un tas de manipulations. Swing Trading, une formation aussi, je pense, l'un des best-sellers de nos clients. Ça se passe le vendredi et samedi. Ça permet en fait eh bien, d'avoir une nouvelle méthode de travail par un professionnel des marchés, pareil, qui a travaillé vraiment dans les salles de marché, qui vous donne en fait une formation sur. Comment anticiper les retournements de tendance grâce aux divergences? Comment détecter une divergence, mais surtout avec une méthode de travail? Une formation aussi vraiment top, hein, tout comme le day trading. Enfin aussi pour ceux qui font du moyen long terme et aussi très apprécié de nos clients qui sont professionnels et gestionnaires, vous avez la formation Investor Funds qui vous donne vraiment une méthode de travail sur SICAV. FCP, OPCVM ou autrement sur les actions vraiment sur du long terme avec une méthode avec la force relative prenant en compte les indices, les secteurs et avec aussi une méthode sur indicateurs ADX et DMI vraiment très 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 appréciée de nos professionnels gestionnaires et aussi de nos clients qui font vraiment du long terme. Et après bien sûr vous avez tout un tas d'autres formations, hein, je vais pas non plus parler pendant 3 heures là-dessus. Vous avez les futurs et l'analyse technique, tout ce qui est de la vente à découvert, etc., etc. Donc n'hésitez pas à nous contacter concernant les différentes formations. On peut vous faire un devis personnalisé. Il faut savoir aussi que nos formations, on peut prendre en charge donc les formations par le DIF, SIFONGESIF. Donc n'hésitez pas à demander un devis par rapport à cela. Et vivement de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. De bons trades, une bonne fin de semaine et à bientôt donc pour un prochain webinaire. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.